Alors, coucou les Gémeaux, nous allons aller voir pour vous au niveau sentimental quelles sont les cartes qui tombent pour vous. On va d'abord faire une ligne avec le tarot. On va aller voir le Lumina Tarot. Et on va aller voir ce que ça nous dit pour vous au niveau sentimental. Quel est le message que j'ai à vous donner pour le mois de décembre, les Gémeaux? Alors, j'aimerais des messages au niveau sentimental pour les Gémeaux, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont les messages au niveau sentimental pour le mois de décembre? Waouh, le 3 de coupe. On nous parle de joie, on nous parle de retrouvailles, on nous parle d'amitié, on nous parle de bonheur, on nous parle d'énergie haute pour vous au niveau sentimental. En tout cas, au niveau émotionnel, relationnel. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du partage, vraiment du partage. Partage avec les bonnes personnes, avec des amis, vous voyez, reconnexion au cœur. Ce qui correspond bien à votre tirage. Qu'est-ce qu'on dit d'autre au niveau sentimental pour les Gémeaux, signe ascendant lunaire solaire? Tiens, étonnant, la reine de coupe. Bon, bah voilà, la reine de coupe. Soit c'est une reine de coupe qui vient à vous, soit c'est vous qui vous mettez dans les énergies de la reine de coupe au niveau sentimental, qui est la mère aimante, complètement connectée à son cœur, à son âme, en pleine transformation. Elle écoute ses intuitions et sa guidance interne. Soit vous attirez une personne comme ça à vous, soit vous êtes comme ça. Si vous êtes comme ça, vous allez forcément attirer une personne comme ça à vous. Ne nous leurrons pas. Derrière, nous avons le 10 de coupe, le bonheur en famille, le partage, la bonne personne pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez forcément rencontrer une personne. N'empêche qu'on est dans un tirage sentimental et que vous n'avez que des coupes qui tombent. Je tiens quand même à vous le préciser. Ah, le pendu à l'envers. Alors ça, c'est pas banal. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau sentimental. Là, vraiment, il y a quelque chose qui se débloque. Votre pendu, il n'a plus la tête à l'envers. Ah, le 5 d'épée. Mais il y a des conflits à venir. Et je pense que c'est des conflits internes. Je pense, sincèrement, ce que je ressens pour vous, les Gémeaux, on va vous mettre sur votre route la bonne personne, mais ça va être compliqué pour vous de voir que c'est la bonne personne. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il va y avoir un espèce de blocage de... qu'est-ce qu'on me dit, là? Ouais, vous voyez, c'est un cadeau. Il y a un cadeau au niveau des amis, au niveau sentimental. Il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vient à vous, c'est un cadeau, hein. Et qu'est-ce qu'on me dit sur la reine de coupe? Regardez, je vous parle d'amitié encore. Je pense qu'il pourrait y avoir une relation sentimentale avec un de vos amis, réellement. Et quelque chose qui se débloque, mais ça va être compliqué pour vous. Regardez, il y a la roue qui tourne. Quelque chose qui tourne pour aller vers l'abondance, pour aller vers un couple, clairement. Et des retours. Alors, ça peut être un retour du passé. Ça peut être un retour d'un mec. Je pense que c'est quelque chose qui va vous dérouter ici. Je pense que vous allez être complètement dérouté et vous dire, merde, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que vous allez être en conflit, parce que vous allez être mis face à l'amour. Peut-être que vous attendez depuis un moment, mais êtes-vous vraiment prêt? Êtes-vous vraiment prêt à recevoir cet amour? C'est ça le message que j'ai pour vous. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, ce que ça nous dit là avec le grand oracle de l'amour. Alors... qu'est-ce qui nous dit ce grand oracle de l'amour, là? Tous mes êtres de lumière pour les Gémeaux. Vous voyez l'illusion? Je pense pas que vous allez être dans le... je pense pas que vous allez être dans l'illusion, mais vous allez avoir peur d'être dans l'illusion. Qu'on vous mente, comme si c'était trop beau pour être vrai. Ça va vous perdre, cette histoire. Un moment d'égarement. C'est pour ça qu'on a des conflits. Il y a quelque chose qui va vous perdre. Il y a une relation, là. Vous vous y attendez pas du tout. Alors, je dis pas que ça va durer ou pas, hein. Ça va être votre choix. Mais alors, ça va complètement vous déstabiliser. Vous allez... c'est quelque chose, vous n'y attendiez pas. On vous dit que la roue tourne par rapport à une solitude. Donc, c'est vraiment ça. Pour ceux qui sont célibataires ou pour ceux qui attendaient le retour de quelqu'un, si ça se trouve, ça va être complètement une autre personne dont vous... peut-être que vous attendiez une personne, que vous étiez à fond sur votre hôte en relation de flamme jumelle ou autre, et qu'il va y avoir une toute autre personne qui va venir, ça va complètement vous déstabiliser. Vous me direz, les Gémeaux. En tout cas, il y a quelque chose où... il y a cette notion de plus être seul aussi, d'être dans le partage, vraiment. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Puis on va vers l'amour quand même, pour un tirage sentimental avec que des coupes. Ah, regardez. Pour certains, ça peut être une réconciliation. Ça peut être un ex qui revient. Alors, un ex... plus ou moins moyen, plus ou moins long terme. Des fois, on voit un ex, notre dernier ex, on se dit ah, jamais je pourrais me réconcilier. Ouais, ben c'est peut-être pas lui, c'est peut-être un ex d'enfance. Vous voyez, ça va vous mettre en conflit. Vous allez être face à l'amour, une personne qui vous aviez oublié ou une personne que vous aviez oublié. Vraiment, je pense que c'est vous qui aviez oublié cette personne. Ouais. Alors, vous verrez ce que vous faites, puis vous me direz surtout, parce que moi, vous savez que je suis curieuse. On va aller voir ce que nous dit l'améthyste love. L'améthyste love, il tranche bien, des fois. Il est pas drôle, l'améthyste love, mais vous savez que j'aime bien, moi, garder un choix.
Vous avez le choix d'y croire ou pas au niveau sentimental. Hein. Vous avez le choix de prendre ce cadeau et de vous dire que vous êtes dans l'illusion. Hein. Regardez, il y a des communications. Hein. Et c'est, pour moi, c'est une personne qui envoie un message, qui vous envoie un message. Hein. Je ne pense pas que ce soit vous qui l'envoyez, mais c'est peut-être que vous, vous allez envoyer un message involontairement. Il y a une personne qui va croire que... Et puis, vous allez... voilà, regardez, il y a des secrets qui sont dévoilés. Mais c'est ça, hein. C'est ça, hein. Ouais. Ouais. Alors, vie double, je pense pas. Je pense que c'est plutôt liaison discrète, secrète. Il y a cette notion de pas vouloir le dire à tout le monde. Vous avez peut-être peur du jugement des autres, là. Hein. Regardez, un ami sincère et loyal. Hein. Alors là, tout le monde va se mettre à chercher dans ses amis. Mais qu'est-ce qu'elle me dit? Mais avec qui je pourrais être? Mais n'importe quoi, regardez. On vous dit que vous avez la protection divine et on vous dit que c'est un amour véritable derrière, hein, quand même. Et que ça va vous élever. Hein. Il est sacrément étrange, votre tirage, quand même. Hein. Je les prendrai à l'endroit parce qu'elles sont à moitié à l'envers, regardez. Un bouquet, une invitation qui arrive à vous. Non, mais sans déconner, hein, je ne vous mens pas. Hein. Au niveau sentimental. Mais j'ai l'impression que ça va tellement vous dérouter. Regardez le chemin. Vous n'allez plus savoir quelle route prendre. Vous n'allez plus savoir quel chemin prendre. Ouais. Ça va être compliqué pour vous à gérer. Hein. Ça va vraiment être compliqué. Peut-être que c'est une personne qui vous a aussi trompé hein, dans le passé hein, et qui revient complètement changée. Il va y avoir quelque chose qui va vous... ouais. Ouais, ça va être une épreuve, hein, une véritable épreuve pour vous. Mais je ne suis pas sûre que ce soit douloureux, pas forcément dans la blessure d'âme, mais il va falloir vous positionner, faire un choix par rapport à vous. Regardez, j'ai l'homme. J'ai l'homme, la polarité masculine. Peut-être un homme avec lequel on a eu des conflits. En tout cas, vous avez la clé. Hein. J'ai la clé juste derrière. Bon, ben on va aller voir au niveau du chakra du cœur, là. Où vous en êtes, où l'autre en est. Alors vous, du coup, au niveau du chakra du cœur, où vous en êtes là? Quels sont les messages pour vous? Âme sœur, flamme jumelle. Donc vous avez la bonne personne qui arrive à vous, mais en tout cas, vous, vous êtes dans cette relation d'âme sœur, flamme jumelle. Et la personne que je vois qui arrive à vous là, oh putain, j'en ai deux. Tiens, alors c'est une personne avec laquelle il y avait de la dépendance affective. Ou vous avez peur qu'il y ait encore de la dépendance affective, ou vous dites que cette personne peut-être a de la dépendance affective. Et pour moi, pour certains, c'est un ex. Il y a eu une rupture. Hein. C'est sûr qu'il y a une rupture avec cette personne. Alors peut-être une rupture amicale, hein, voyez. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer là pour vous deux là? On va être où? Regardez. Nouvelle rencontre proche. Alors, soit vous sortez de cette rupture et vous allez vers carrément une nouvelle personne, mais alors ça va complètement vous dérentrer parce que vous pensiez que vous étiez dans un lien de flamme jumelle et qu'en fait, depuis la rupture, vous vous rendez compte que vous, vous avancez, mais que l'autre n'avance pas et qu'au final, ce serait peut-être plus de la dépendance affective. Et dans ces cas-là, on va vous envoyer une autre personne pour que vous compreniez ça et ça va complètement vous dérouter. Soit c'est une personne que vous considériez comme une flamme jumelle qui va revenir vers vous pour se réconcilier, puis vous allez vous rendre compte qu'au final, il n'a pas du tout avancé, il est encore dans la dépendance affective. Et là, vous ouvrez à quelque chose. Au point, vous ouvrez à quelque chose de différent dans tous les cas. Voyez, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur si vous avez quelqu'un dans la tête. Alors, je suis désolée de vous le dire, hein, si vous sentez vraiment que c'est votre âme sœur et que ce tirage n'est pas fait pour vous, bah, vous le sentez. Mais à ceux à qui je dirais ce message-là, au fond de vous, vous le savez. Au fond de vous, vous savez que cette personne, ça colle pas parce qu'il devrait avancer plus. Même si là, attention, la relation est très très forte. Hein. Quels sont les conseils pour vous? Moi, j'aimerais des conseils. L'impératrice, on vous dit de reprendre votre autorité dans cette situation. On vous dit de reprendre votre autorité au niveau sentimental aussi, de savoir ce que vous voulez, de communiquer clairement ce que vous voulez, d'être bien ancré à la terre, voyez? On vous dit qu'il faut laisser partir quelque chose, l'arcane sans nom. On a besoin de couper, de trancher dans une situation au niveau amoureuse et au niveau affectif. Il faut couper, il faut trancher, il faut laisser mourir quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être au niveau sentimental. Ça peut être des blessures d'âme. Regardez le 10 d'épée. On a été mis à terre, trompé, blessé, dupé. On a été mis par terre, vraiment. Il faut se relever là. Il faut couper, il faut laisser ça derrière là. Il y a une situation dans laquelle, autant j'en ai deux qui tombent, on vous dit la justice, il faut être juste pour vous, il faut trancher, il faut couper. Il y a cette notion vraiment d'équilibre. Comme on a vu hein, dans votre tirage général, et regardez, j'ai le chariot, vous avez que des arcanes majeures quasiment. À part le 10 d'épée, que des arcanes majeures. Alors les conseils sont très clairs. Reprenez votre pouvoir, communiquez clairement. Pardonnez, parce que l'impératrice, elle pardonne. Elle fait les pardons nécessaires.
Elle laisse partir, elle laisse mourir ce qui ne lui correspond plus, elle coupe, elle tranche avec une situation dans laquelle elle a été mise à terre. Elle est juste pour elle et on vous demande d'être juste pour vous et de bouger, d'aller vers quelque chose de différent, que les choses se mettent en route pour vous au niveau sentimental et vous risqueriez d'être sacrément surpris de ce qui va arriver à vous, voyez ? Parce que derrière, j'ai un valet de deniers. Vous allez trouver ce que vous voulez matérialiser de différent en amour et vraiment là, on a le fait de partir à l'aventure vers quelque chose d'autre. Voilà pour vous les Gémeaux. C'est vraiment une belle transformation sur tout ce mois de décembre. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, vous savez, vous abonner, mettre les notifs, etc. On ne répétera jamais assez. Et puis, je continue mes autres petits signes astro. Bisous, bisous. Ciao, ciao.